On nous garder ça kounya puisque nous ouais ou même avec batterie avocat que non texte que nous mettait dehors nous parler d'une bonne nouvelle dans question affaire prisonnier politique yo Jean Dia Arnel Belizère Crapier Kelly Casemelus Paul Joannel et consort qui sa bonne nouvelle là hier pour prisonnier politique ça yo. Ah oui, effectivement, c'est moi qui ai rédigé cette note et c'est une note par laquelle nous avons précisé que le commissaire du gouvernement prêt la cour d'appel de Port-au-Prince, maître Claude Jean, a décidé de cesser de coincer ses prisonniers politiques. Il a décidé de renoncer à tout un ensemble de recours qu'il a exercé dans le cadre du dossier de ses prisonniers et Arnel Belizère, Pierre Kélix Emelus et Paul Joannel. Tenez bien. Et c'était en date du 3 mai 2021. Et il y a un avant-dire-droit qui a été rendu par la cour et d'appel de Port-au-Prince. Et à travers cette décision, la cour avait estimé que l'affaire n'était pas en état de recevoir jugement. Et en même temps, tout, et elle avait ordonné à ce commissaire du gouvernement d'aller mettre le dossier en état d'être jugé. Et mécontent, le commissaire du gouvernement, ça le fait par la suite. Monsieur Pral Ntekadi et exercer un pouvoir en cassation et pour le comment il a bloqué le dossier. Mais comme nous, et quoique et recours et en cassation, bien pouvoir en cassation, et Mtekadi n'est pas suspensif, parce que dans tout dossier, des pourtant dont parti exerce son pouvoir en cassation, ça n'a pas qu'à bloquer l'avancement dossier. Mais malheureusement, il était refusé à les mettre dossier en état, malgré qu'on l'a ordonné ça. Et pas oublier tout, il y a un appel qui a été interjeté et de l'ordonnance ayant été rendu par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville. Ouais. Et ordonnance-là, non pas d'accord avec elle, c'est une ordonnance injuste, ouais, c'est une ordonnance scélérate, et bien ça nous a fait par la suite, nous avons interjeté appel. Et qui ça, et commissaire Tabral fait pour le bloquer dossier, l'était tout et exercer un recours en dessaisissement. Et dans le cadre et appel ça que nous avons fait dans le cours d'appel Port-au-Prince. Et vous connaissez, comme j'aime toujours dit ça, j'aime toujours rappeler ça, dans le cadre différents dossiers que nous toujours traité, vous connaissez que dès qu'une partie prend l'initiative d'introduire un recours en dessaisissement par devant l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation, eh bien, et le juge où le tribunal ou la cour est tenu de sursoir. Il doit être. Donc depuis les commissaires ont fait ça, la cour d'appel du Port-au-Prince n'a pas fait rien dans quatre dossiers, nous sommes obligés de tenir. Et que finalement, et j'en dis ça dans la note là, et commissaire là, les campé et sous toute action ça a été fait devant cour de cassation, les campé sous tout recours ça a été fait devant cour de cassation et que c'est vendredi à ce passé là ouais et huissier et cour d'appel pour au prince et Chelomite d'Orville les signifier by nous-mêmes et particulièrement by différents prisonniers politiques saio dans différents centres carcéraux et les déclarations de renonciation et faites par le commissaire du gouvernement. Elle a dit commissaire du gouvernement campé sous bagaille ça. Kounya, ça fait lundi là. Et lundi là, des gens lui a dit non et l'affaire et sera mise en état et par devant la cour. Nous les avocats on s'y présentera et il y aura une plaidoirie magistrale et Peterson, je vous donne la garantie que nous parviendrons pas plus tard, non moi ça oui, okay, que nous parviendrons à obtenir la libération de
tous ces prisonniers politiques qui sont innocents. Ça veut dire là, pour mon capable de comprendre bien, famille, M. Sayo, M. Marc-Antoine Maisonneuve, c'est que dossier là, l'issou, on dit bonne voie, l'issou, bon outlan, côté que M. Sayo capable de libérer, ou bien qu'à libérer, ou bien libérer, avec, suite avec la question audience qu'elle a pour faire, pour nous-mêmes, capable de défendre M. Sayo. Ah, bien sûr que oui, parce que nous avons déjà franchi la plus grande embûche, le plus grand obstacle. Le plus grand obstacle là, c'est le blocage là, oui. Et commissaire coup d'appel la TFA. Quand il défend pas qu'être recours devant cour de cassation pour le bloquer dossier. Bon, il renonce et Dieu soit loué et la bataille se poursuit et pas de pièce obstacle encore. Donc voilà, il est tout net. On dit que d'ici mois octobre là, que monsieur a libéré, est-ce que pas capable de gagner l'autre problème qui est capable d'exister, qui est capable de rendre le dossier à lui-même, lui encore qu'un bé? Oh, question sur vous là, l'intéressant, c'est une belle question. Et en passant, gardez ça. Et garder et tout ça ne fait, tout ça, tous les sacrifices que nous avons consentis dans le cadre et des dossiers et d'Abelson Gounet, Coutrois et l'autre encore. Bon, garder finalement et le directeur général AI de la police nationale, Léon Charles, je suis intervenu dans le dossier pendant que M.D.K.D. doyen travail la gué, oui, d'intervenir pour le dire comme ça que si on l'a gué, policiers sa yo sont mauvais antécédents la pied et pour l'autre policier yo les pas bon pour moral l'autre policier sa yo. Bon, monsieur dit comme ça que et ces policiers là se sont impliqués dans l'assassinat d'autres policiers, c'est pas vrai, non? Et donc j'en dis à et toujours, bon, toute bagarre pas toujours est prévu. Et mais à 95% nous avons garanti que n'a plagué monsieur Sao. Espérons que du mauvais esprit pas intervenir pour l'empêcher monde joindre satisfaction. Mais Jean-Doula est la plus grande. Il y a un grand pas qui a été effectué, il y a une grande étape qui a été franchie des côtés et commissaire mettez de côté recours Sao, mais nous n'avons pas d'inquiétude encore. Okay. On espère que nous avons satisfaction. Mais lundi, c'est une séance de plaidoyer que nous-mêmes nous prenons à le faire dedans, dans le tribunal. Là. Est-ce qu'on peut attendre lundi que ce dia la libération a commencé à faire, ou bien c'est une première étape, une autre étape dans le travail là? Et s'il n'est pas fait, si on pas libéré lundi, il y a libéré l'an fin mois ça. Okay. Et est-ce que. Bon, moi, je me rends compte que le cours était déjà prêt pour le délaguer, monsieur. Nous avons entretenu nous plusieurs fois avec différents magistrats de cette cour, la cour d'appel de Port-au-Prince. Et seul obstacle qui était gagné, c'était Claude Jean. Bon, monsieur a cédé. Et pas en nous garder, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de tumultes dans le pays et un paquet de bouleversements. On paquet de turbol, donc à n'importe quel moment, on peut être dépassé par un événement. Donc c'est ça que Fenn va dire qu'à 100% que ces prisonniers seront libérés et lundi. Mais nous, depuis pas un gros turbol, et pas un gros sac, on met quoi en moins, monsieur a plagué soit lundi ou bien l'an fin mois d'octobre, ça là. Confiance ça, M. Marc-Antoine Maisonneuve, qui est un pile acteur Captain D qui t'a dit bon, est-ce que c'est parce que un ensemble de avocats qui ont même tout cap défendre la libération des prisonniers politiques et qui ont même qui rejoignent l'accord Ariel et ils mettent ça comme point dans la question à quoi qui c'est libération, monsieur. Est-ce que c'est ça qui renforce la confiance sur M. Marc-Antoine Maisonneuve? Bon, belle vitesse s'entendait. Et vous savez, et parfaitement bien de quel bois je me chauffe. Rappelons, pile à paquet de sacrifices que j'ai fait dans le dossier mon petit boyau. C'est le cabinet qui a traité le dossier ça. Bon, mais acte d'appel là, mais ordonnance là, mais tout le monde est dans le cabinet. Là. Et d'ailleurs, Mamdo, dossier Anel, Pierre Kilik et Job, dossier ça n'a pas rien, non? Dossier ça n'a pas rien par rapport à dossier prisonnier politique petit boyau. Bon, attendez, et pas oublier, non? C'est Jovenel Moïse. Et personnellement, et Dimitri Ra, Léon Charles, avec qui est ça encore, qui était débarqué dans petit bois, qui était arrêté Mounsayo. Et pas oublier, l'ENTE fin joue une libération prisonnier politique petit bois. Et Jovenel Moïse est shooté et sous coup d'appel avec cabinet d'avocats
qui était impliqué dans la bataille là pour que la guerre prisonnier politique Petit Bois ça yo. Et donc si nous devons arriver à joindre libération facilement prisonnier politique Petit Bois ça yo, la DOT gagne Yvickel de Brésil et les Gauthier ont paquet l'autre encore que Jovenel était accusé comme monde qui était impliqué dans tentative de coup d'état. A dit monsieur tu pensais que et moun sa t'ap touyer ensuite et pas oublier tout et te gagnon l'imprévenu ça te vienne dans cabinet qui te raconté une histoire qui était très épatante quand elle dit mettre mes honneurs yo te manqué touyer nous l'en prison et quoi des bouquets l'aime dit ça qui passé il dit mon côté mon responsable qui vient dans la prison qui dit nous sorti qui dit nous sorti y a plagué nous et c'est ton stratégie. C'est ton plan pour te voir comment tu es arrivé à fusiller tout le monde qui est fermé dans la prison pour des bouquets. C'est-à-dire, tu es en haine, tu es raï, mon ouvre. Donc, si tu es arrivé à libérer le monde, ce n'est pas Anel Bélizer, Pierre Kilik, c'est Bélis pour ne pas te plaquer. Bon, certes, tu es en légèreté et tu es en irrégularité dans construction dossier préalablement, mais finalement problème ça résoudre et bon je ne pourrais pas me réjouir dans l'assassinat de Jovenel Moïse, mais on a bagaille tout qui rend si possible et ou bien qui pourra le rendre si facilement la libération de ces prisonniers politiques, c'est l'absence de l'ex-président et Jovenel Moïse. Et n'a continué bataille. Et bon bah m'a pas capable du tout. L'autre Anel Bélizer, Pierre Kinik Semelis et l'autre encore, par rapport à Pilat Paquet et prisonniers politiques et qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons en Haïti, nous avons dit que ça est considéré comme des gouttes d'eau. Comme des gouttes d'eau. C'est-à-dire tellement de prisonniers politiques. Pendant qu'on va parler de ça, maître Marc-André Maisonneuve, monsieur Céaté, on va parler des questions d'état sur privatif prolongé à là. Et il y a un nouveau commissaire gouvernement qui, lui-même, dans l'installation, la première conférence que le débat avec la presse après le défini installé, lui encore fait, bon, dit à bah, garantie que question d'état sur privatif prolongé à lui, c'est, et je crois, le bataille, lui, permettre, lui, pas mettre ensemble, c'est lui le campé pour capable garder comment capable de bataille contre question ça. Bluff. Tous les commissaires du gouvernement l'ont toujours dit. Bamdo, bon, moi-même j'aurais bien voulu que ce problème soit résolu. Même si ma avocat, bon, la première bagaille fait comme ça dans l'appareil judiciaire, là, la question de détention préventive prolongée. Et pas oublier déjà sur les ondes de votre radio, nous avons déjà établi la décantation entre la détention préventive et la détention préventive prolongée. Sac diable là, sac méchant, sac pas bon du tout, sac fait monde fait comme sous dos monde, sac permet, ouais, le principal facteur permettant aux acteurs judiciaires de s'enrichir injustement, d'appauvrir la population, c'est la question de détention préventive prolongée. C'est quoi ça? J'en ai toujours dit là, la radio ça, la détention préventive prolongée, c'est là où on prend monde ou fermer un côté courir les prisons, c'est qu'a fait 6 ans et 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, et pour pas dire qu'il est que ou mené devant un juge. Bon, attendez bien. Ou dans telle situation, vous qui êtes victime de la détention préventive prolongée, vous pouvez être prêt à offrir votre femme pour obtenir votre liberté. Vous pouvez être prêt à vendre votre maison, votre voiture, pour arriver à obtenir votre liberté. Et là, parce que je vais vous l'avoir dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ça fait m'dou que m'dou mes questions ça, résoudre, mais comprenez bien, est-ce que vous abordez le bien? Est-ce que vous allez l'enraciner? Là, tout question à poser, quelqu'un qui t'a posé, même question ça, est-ce que tout élément du système justice n'est même pas responsable de situation ça, tout phénomène ça? En quelque sorte, est-ce que tout Et si, si l'on se propose de parler des avocats. Succès dans sa vie tout, vous n'avez pas pour l'autre sujet. Oui, qui parle de responsabilité avocat ou la question ça. C'est que avocat, pratiquement, tu as supposé des citoyens universels.
c'est-à-dire, et face à la violation des droits fondamentaux de la personne humaine, il ne pourrait pas se taire, il ne pourrait pas rester bouche bée. Faut que tu as dénoncé ça tout. Donc, nous avons dit que avocat au bon port de responsabilité, c'est seulement de par leur silence. Et ça, ils sont qu'à reprocher eux. Mais l'ordre, à forme d'eau, et à ma connaissance, à ma lecture, principal, le principal acteur judiciaire est un responsable de ce fléau, c'est le doyen. Et pas oublier, et pour qui ça me dit ça, s'ouvre par exemple procédure qui t'a aidé nous combattre la question de détention préventive prolongée. Et c'est la procédure et en habeas corpus. Et n'oubliez pas que la procédure en habeas corpus, c'est un recours qui a été institué par le constituant de 1987 en vue de permettre aux citoyens de faire face aux arrestations arbitraires et ou illégales. Ça veut dire, dès qu'on est en prison, il y a des délits, ou commencez pour un mois, deux mois, trois mois. Le législateur a dit, mais qui est-ce? Mais qui autorité? Mais qui acteur par devant lui-même ou doit présenter pour expliquer le problème pour la guerre, sous montrer qu'aux victimes effectivement dont arrestation arbitraire, dont détention arbitraire, moun ça, acteur ça, c'est le doyen. Eh bien, si on dit qu'on s'est fait crime, ou qu'on est pour crime, non, instruction, pas qu'à aller au-delà de trois mois, l'âme l'encadre, article 7 du décret du 26 juillet 1979, sur l'appel pénal. Eh bien, il a dit comme ça que depuis qu'on fait crime, ou touye moun, ou assassine moun, eh bien, il dit, instruction, ça n'a pas qu'à aller au-delà de trois mois. Eh bien, l'autant de l'instruction ou l'emprison, Zafor là commencé à prendre 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais législateur là, constituant dit où, mais moun qui t'a supposé fixer position et prononcer sous sort, qui c'est doyen, bon pas oublier, malheureusement, qui est-ce qui nomme doyen yo? C'est président, et qu'on connaît que souvent, qui est-ce qui a la base de violation et droits fondamentaux mounio, c'est monsieur exécutif, monsieur président, monsieur ministre. Coucou, il y a maintenant entre mes honneurs, c'est comment que, mais, yo capable de battre contre question ça. C'est comment formule pour nous jouer vraiment battre contre détention préventive prolongée, hein? C'est qui ça lié? C'est comment on peut battre contre lui? Pour nous comprendre, et Blaise Peterson, c'est que c'est la complexité de cette bataille. Cette bataille est très complexe. Et ensuite, il faut connaître que ça doit être le combat de toute la population. Allez, comprendre, Blaise, les arrêts ont injustement, ils ont passé d'ouvant avec eux, ils ont bourré injustement, illégalement, en prison. Si je ne pas dire rien, je cautionne la situation. C'est-à-dire, même population, pour diable, sans le pas connaître, et par ignorance, les soutenir détention préventive prolongée. Les, par exemple, ils ne pas dénoncer acteurs judiciaires qui corrompus, qui sale, qui voulaient faire l'argent par n'importe quel moyen. Et bon, forme nous tout. Bon, c'est toute population. Bon, malheureusement, élection pas faite ici souvent. Et c'est toujours des simulations d'élections. Côté d'où, mais qui est choisi comme président, comme sénateur, et puis par la suite, président, sénateur, mais qui est sur le bail comme doyen, comme commissaire. Et bando, population, tout le monde, il faut pour le faire. Il faut que nous manions et choisissions, monde qui plus ou moins éclairé, ouais, monde qui plus ou moins qui choye dans l'affaire droit. Parce que, attendez bien, bah, ça on a parlé à là. On ignore qui accède à la première magistrature de l'État. On va pas demander pour qu'on ait rien qui l'en bagaille ça. Vous savez qu'on a des affaires, détention préventive prolongée, comment pour combattre ça, arrestation arbitraire ou légale. Ça qu'on a des affaires constitutionnelles. Non. Et c'est ça que fait. Et moun ça a laissé ou choisi. Et il faut attendre que vous payez conséquences, choix irrationnel qu'on fait. Kounia, on a gardé dernier point. Et point ça, mettre ma 4 maison 9. Question, je dis à la Yugen, on a gonflé yo, même capable de gonfler au 4 manger sur GTA, c'est question kidnapping. Non. Parce qu'on m'a dit chaque jour qui passe, ou tendez des cas cap répétés dans divers côtés. Et en plus, moun a reproché autorité concernée, surtout recommandement PNH. Là. Ou même comme avocat, comme défenseur de moun, qui une réaction sur ça? Bon, et ma réaction sur le phénomène de kidnapping, je pense que c'est un phénomène qui découlait de
et des pratiques dont structure politique bien déterminée, PHTK. Et c'est pas nos deals, les rapports sont là. Il y a des rapports qui ont été produits par pas mal d'organismes de défense des droits humains, qui produit par Commission éthique et anticorruption, Sénat, et même l'ONU, par rapport tout, côté et des rapports ayant confirmé participation des hommes et du PHTK dans la et perpétration des infractions. Bon, attendez bien, oui. Et la paix, la justice, la tranquillité, le bon fonctionnement de la justice et l'autre encore, bagaille ça ou pas bon pour délinquants. C'est bien, Abdoulala, très complexe. Et voilà pourquoi on ne pourrait pas et demander, parce que comprenez bien, je n'ai là, nous l'en phase troisième version PHTK, qui est en tête li, et Ariel Henry. Et voilà pourquoi on ne pourrait pas demander et à ces hommes qui se sont impliqués dans des actes de corruption, dans des massacres, dans des crimes financiers, dans des assassinats et l'autre encore, on ne pourrait pas leur demander de contribuer à l'implantation et d'une ambiance de paix. Non, ou pas qu'à demander pour gagner la paix, ou pas qu'à demander pour la justice à bien, pour contribuer à la bonne marche de la justice, ou pas qu'à demander pour pas gagner kidnapping, pas gagner assassinat dans le pays. Parce que comprenez bien. Si pas un assassinat, pas un kidnapping, si la justice a bien marché, attends comme ça, en pile monsieur ça a été impliqué, l'on paquet de massacre, l'on paquet d'exécution, l'un crime financier, bon particulièrement, la dilapidation font plutôt Caribéa. Justice a bien arrivé sur un pilou. Non mais là quoi, ma gâteau à Maisonneuve, il y a un qui t'a dit pas seulement équipe PHTK dans l'ensemble de dossiers aussi là, yo, qui sont scandale corruption. Pardon. Et grand pile acteur observateur t'a dit, même pas qui t'a dit tout. Et pas seulement des moun qui nan équipe sur Jean Sodia là, des moun qui nan équipe ancien président Jovenel Moïse, que non yo cité nan des scandales que so di la yo, ça veut dire que des autres acteurs politiques tout et que des acteurs dans société civile là non cité tout là. Ça veut dire yo dit est-ce que c'est bomba spaghetti qui fait là tout, leur parler de ça, est-ce que c'est à eux même seulement? Pour que je puisse bien comprendre, je vous demanderai de me donner un exemple, comme mon exemple non, parce que ou clairement ou indexé, il y a une équipe qui était avec alors équipe c'est président Jovenel Moïse là, mais la question gaspillage, la question corruption ou cité là yo gain en ensemble acteur qui dit parce grand pilote acteur qui impliqué dans des scandales de corruption et qui je dis à la qui t'a semblé gain terre dans sa capacité là. Ah ouais, alors Bamdou, moi-même m'étais ciblé Monsieur PHTK, au qu'on est en ma qualité d'avocat, je dois être prudent en prenant la parole. Et en ma qualité d'avocat, je sais que l'obligation m'est faite de parler dans un cadre référentiel. Ça veut dire, si je n'ai pas de référence, si je n'ai pas de rapport, je n'ai pas de forcer comme ça. D'ailleurs, qu'on est, je me respecte. Je suis un avocat très, très honorable, très respectable. Attendez. Yeah. Moi, je pense que je suis foncé sur vous comme ça. Okay. C'est parce qu'il y a des rapports, j'en me saute d'eau préalablement, okay. Il y a des rapports qui ont confirmé que ces délinquants ont effectivement dilapidé et les fonds pétro-caribéens. Okay. Il y a un rapport qui dit que Martine Moïse était impliqué dans le dépatia, la gendarmerie là. Il y a un rapport qui confirmait que c'est monsieur PHTK Sayo qui était effectivement massacré Mounio dans le quartier défavorisé la Saline, Tokyo et l'autre côté encore. Donc ça fait moi-même en tant qu'avocat, je quoi me souvenir. Okay. Et dépend l'autre institution arrive produit l'autre rapport qui dit que c'est Maisonneuve qui s'était impliqué dans la dilapidation du fonds Pétro-Caribé. C'est Marc-Antoine qui s'était impliqué dans la perpétration des massacres dans les quartiers défavorisés, m'a garanti, m'a exigé tout que la justice et m'a dit mettre l'action publique en mouvement contre Marc-Antoine et Maisonneuve. Kounia, comment bataille contre question insécurité ça et selon pile monde qui yo même exigé en dit démission de révocation des GAI la police dans Léon Charles, yo trouvé qui et le moment ça là qui pas qu'à ben résultat par rapport avec question sécurité. 1, 2, 3, ça au même monde. En bas c'est fort monsieur
effectivement remettre démission. D'ailleurs, son monsieur que m'analyser discours, toujours analyser discours attentivement, quelqu'un qui a toujours contribué à la désacralisation de l'institution policière. Moi, rappelez-moi, pour dire, t'es un jeune policier, je t'ai touillé sur Delma, un jeune, il a 25 ou bien 27 ans. Bon, Léon Charles, le directeur de la police, lui, monsieur monté sous zone au paquet radio pour te faire comprendre que les policiers, ça sont gang, ils ont bien fait tout. Et Léon Charles, son nec qui était toujours là pour te bailler possibilité et APHTK pour te instrumentaliser la police. Ouais, voilà pourquoi monsieur a soutenu une ambiance de division dans l'institution. Et c'est ça que faut, ouais, je ne veux dire, la police, par quoi elle monsieur. Et ça que fait, je ne veux dire, là, où est policier, yo, bon sorte de maraudage à pas appliqué. Donc, on pense que, pour nous renforcer la police, là, pour nous rassurer les policiers, yo, on pense que pour nous créer la caille bandit, la caille kidnapper, il y a un minimum d'inquiétude ou d'anxiété, et ce monsieur-là doit et remettre sa démission. Merci en pile. Merci en pile. Merci.